Après plusieurs tentatives de retour en politique, aussi bien en France qu'en Espagne, Manuel Valls semble avoir trouvé une nouvelle voie de reconversion. Le 18 novembre 2024, le média d'investigation Mediapart a révélé que l'ex-premier ministre français a agi en tant que consultant rémunéré pour le Bahreïn dans le cadre d'une mission liée à une affaire judiciaire complexe. En juillet 2024, Valls s'est rendu à Manama, où il a travaillé pendant 3 jours pour défendre les intérêts du royaume, notamment autour d'un contentieux ancien, avec le Qatar. Cette mission s'inscrit dans un effort diplomatique et judiciaire visant à influencer le traitement d'une décision controversée de la Cour internationale de justice, CIJ, datant de 2001. Selon Mediapart, Manuel Valls a perçu 30 000 euros pour son travail de consultant entre le 22 et le 24 juillet 2024. Le contrat de Valls a été signé avec Binidali Conseil MV, une société de conseil dirigée par lui-même, et validé par Philippe Feitoussi, ancien avocat officiel de la famille royale de Bahreïn. Le financement de cette mission, d'un montant total de 229 000 euros, a été assuré par une société offshore basée à Hong Kong, Queen Capital International Limited, dont les propriétaires demeurent anonymes. L'enquête de Mediapart met également en lumière l'objet de la mission de Valls, conseiller les autorités bahreïnies sur une enquête en France, ouverte par le Parquet National Financier, PNF. Cette enquête concerne une décision de la CIJ de 2001 qui avait attribué les eaux territoriales autour des îles Hawar au Qatar au détriment du Bahreïn. L'affaire, bien qu'ancienne, a refait surface en raison de soupçons de corruption présumés visant certains juges ayant pris part à l'arrêt, avec des accusations d'influence en faveur du Qatar. Le Bahreïn, depuis 2020, cherche à contester cette décision en invoquant une corruption des magistrats, ce qui a conduit à la mobilisation de plusieurs acteurs pour relancer l'affaire en France. Cette affaire soulève de nombreuses interrogations sur la transparence des financements et des démarches entreprises pour influencer le dossier. Cette reconversion de Manuel Valls, après une carrière politique mouvementée dans le rôle de consultant international, soulève des questions sur la nature de ses missions et sur l'opacité de certains circuits financiers dans lesquels il semble désormais impliqué.